Hey hop les boys, c'est The Ben Big, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ark Primal Fear. Je suis sur mon petit poney, le Pegasus Fallen, renommé Yilji comme il se doit. Et c'est parti pour la petite intro. Et du coup, on se retrouve, mes amis, on est dans la base. Regardez, on a des créatures à peu près partout, les créatures dont on s'est servi récemment. Le Cowdrake, enfin Wyvern, et le Celestial Rockdrake, nos petits bébés d'amour. D'ailleurs, on va voir s'il y a des trucs intéressants à récupérer sur eux, by the way, parce que je les ai pas trop vidés juste avant. J'ai déjà pas mal de choses. Je pense que je vais aller... Oh putain. C'est un Dimorphodon qui n'a du coup cessé de vivre. On est bon. Et du coup aujourd'hui mes amis, on va s'atteler à la tâche sur du taming, sur de la créature que l'on n'a pas encore. Puisqu'on en a, on va pas continuer le Pégase tout de suite. Par contre, ne vous inquiétez pas, le Pégase, on va en reter main dans un prochain épisode. Et on le fera évoluer dans ce même épisode normalement sur le nouveau Pégase. Donc on verra ça ensemble. Mais c'est pas encore évidemment, parce que là voilà, j'ai fait deux Pégases dernièrement. On va quand même diversifier un petit peu les bestioles, hein, n'est-ce pas? Ok, alors j'ai ça à poser. Ça... tiens, ça je vais en poser, on sait jamais. On est bon. Un petit drapeau, on va le mettre là. Ouah, c'est beau. Et du coup mes amis, on va se concentrer sur de la créature que l'on va thème aujourd'hui. D'ailleurs je voulais voir un petit truc important. Les origines, on va changer et prendre autre chose aujourd'hui. Primal Infuse Toxic. Bon écoutez, on va faire des balles. Enfin, on va voir si je peux faire des balles. J'espère. Je dois avoir du sang, alors le sang peut être celui-là. Voilà, on va faire de la primale. Primal bullets. Et je vais voir si je peux en faire un petit peu dans la petite table. Est-ce qu'on a des bullets? Ce serait merveilleux. Elles sont où? Là. Ah oui, il faut faire de l'apex infused. Ah non, mais c'est, du coup c'est primal. C'est pas de l'apex. Ok. On a envoyé 100 et quelques. Et du coup on pourra faire les balles. Ce sont les balles. Comment? Infuse toxique narcotique. Ah, primal infused. Bah, elle est où la balle? Elle est là? Ah, y'a pas la. Ah, ouais. Y'a faire de la gunpo. J'ai rien pour la gunpo. Bah, oui, puisque chaque fois les trucs on les drop. Et du coup, j'ai pas besoin d'en craft. Je suis comme un connard là. Je me give de la gunpo quoi. On va faire ça hein. Je vais mettre en GCI. GCM, pardon. On va faire ça, les gars. On va prendre un petit chemistry. Est-ce qu'on peut le... Ouais, là. Hop. On va le mettre là. Les Power Red. Les forges. Il me faut... Ah, il y a de l'essence, c'est merveilleux. Hop. Hop, on va le mettre là. On est bon. Et on n'a plus qu'à faire... Je peux pas en envoyer, ouais non je me disais bien. Il me faut du flint et du caillou. Et on va envoyer de la poudre. On va faire de la gunpow et on va faire des balles. Parce que les origines bullets, ça y est, je vais prendre la décision. Enfin je vais tenter de ne pas trop les utiliser. Pour voilà, tester un petit peu les autres balles. Et voir leur efficacité. Et le temps que ça prend également. C'est important. Ah c'était allumé, j'ai même pas entendu. Wow la lumière. Du flint on en a pas du coup. C'est gavant. On a pas une petite pique ou un truc? Non, c'est pas dans celui-là, remarque. Ah, dans celui-là, y'a rien. Comment je vais me démerder? On a pas un petit dino qui peut farmer les cailloux? Toi? Farme pas les cailloux? Qu'est-ce qui pourrait farmer les cailloux? J'ai rien pour farmer les cailloux en vrai. Toi, on sait jamais. Bah non, du coup. Bah merde! On va tester la Reaper Impress. Allez ma petite. Ouh que elle est belle. Ouh que elle est belle. Hop là. Et c'est l'écran jaune du joueur français. Vous en vouliez un? Vous l'avez eu hein. Ah là. Ah non ça farme pas. Enfin ça détruit. Ça farme pas mais ça détruit. Ok reste là petite bait. Bah du coup c'est la merde qu'on se fait pour ma gunpo. C'est chiant. Je pourrais aller farmer du flint à l'arrache. En plus, je crois que c'est en foin. Pire truc. Horrible.
Bah, on est dans la merde, les gars. Est-ce que j'ai des belettes sur moi, peut-être? Je crois pas, hein. Je crois pas, je crois... Ah! Ah, bah, c'est des advanced. C'est pas les bonnes. Et là, je pense pas que je puisse en faire sur moi, non? Ah, mais je peux crafter comme ça. 64. Voilà. On en avait combien, le truc? 127. Plus les 40 de base. Voilà, on va dire 164, on est bon. Allez, on dit que c'est bon, hein. On est parti. On va aller tame de la créature. Putain, pourquoi ma vie est aussi basse? Je me suis viandé ou quoi? J'ai branlé. Allez hop, c'est pour moi. J'ai pas d'autres potions de dispo. Tiens d'ailleurs, pour le thème, on va prendre un petit peu de bouffe. Hop. Et on va prendre aussi genre des 100. Des 100, on va en prendre 43 de celui-là. C'est les meilleurs en général. Eux, on va les reposer. On va voir ce qu'on a d'autres. On va pas être de thème ou des trucs comme ça. Ah, et Kibble, on va en prendre. Ok, je crois qu'on est pas mal. Ok. Elle m'avait pas fait des KO Orb et tout là? KO Orb, Spirit Orb. Au moins que j'ai tout pour le tame. Et on va regarder vite fait. Et je pense pas que ça... Je crois que ça va être la merde à crafter ces choses là. Ah quoi que. Les Celestial Soul. Ok. Nice. Et bah du coup. Ouais, mais du coup il m'en faut aussi si je veux faire les deux. Ah ouais, la galère. Putain, mais avant j'en avais, en vrai je pourrais me les give. Avant ce reboot de serveur de merde. Avant ça j'en avais. Oh tiens, on va faire. Oh putain, ça va aller surfer le Rock Dyke. C'est trop bien. C'est parti. Et surf de nuages. Chez. Et resurf de. Raté. Et c'est la fin. Du coup, faudrait que j'aille fermer des créatures. Genre tout ce qui est modé. Genre ça, on va tout farmer. Je vais me faire un méchant farm, les boys. Et en même temps que je vais farm, je vais chercher des créatures pour les tame. Enfin, chercher des créatures que je n'ai pas. Il y en a quelques-unes. Il n'y a pas des masses, hein, mais il y en a quelques-unes. Donc on espère. Oh putain, c'est quoi ça? Ah ouais, ça c'est des artefacts, je veux. Donc toi. Toi, je te connais, t'es chiant. Voilà. Et tout, on va te niquer. C'est pas un lance-flamme? Hein? Cette merde. Bon, par contre, j'ai pas pris le mec le plus fort, quoi. C'est quoi ce debuff qui m'a mis? Tiens, j'ai pas eu le temps de voir. Voilà, ça on est pas mal. Ah, c'est chiant. Alors, électrocute. Ok, mais ça m'est... Ok, ça m'électrocute, c'est merveilleux. Prendre la stam. Mais putain! Ah, il est quasiment mort. Il est quasiment mort, les gars. Et voilà! Ah non, c'est pas le bon. Mais crève! T'es full sang, gros! Voilà! Artifact of the Devourer. Ok, il y a les petits lapins, on va les laisser. Il y a un singe dans le coin. Ah non, c'est du Tyrannus. Putain, mais il y en a partout, en vrai. Plus. Genre t'as bloqué sur une cime d'un arbre, gros. Genre, dans quel monde? Allez, on surfe. Trop bien. Et yihi. Oh, c'est génial. Yihi. Oh, c'est ouf. Oui. Ça m'avait manqué. Allez, en virage. Putain, le missile. On va reprendre la hauteur. Oh, c'est tellement cool. Bon, quand je fais ça, je vois pas de créatures, quoi. Vous planez doucement. Genre là, y'a pas les trucs. Oh, putain, mais y'a rien, mais on va trop vite. Et on va aller dans le marécage. Et bim. Le missile est en approche, il a atterri. Oh, c'est quoi ça? Fabled. 300%. Voilà. Est-ce qu'on a eu un peu de ballettes? Il y a eu de la ballette. On a des petites potions, du sang, l'XP. Ok. En vrai, le mieux, ce serait que je croise des origines ou genre des KO boss et des trucs comme ça que je les bute pour gagner des trucs faciles, enfin des trucs chiants à craft du coup, mais qui seraient bien à loot. C'est merveilleux. Mais ça va pas être facile. Il va falloir chercher
plus de saumon de sang. C'est les chaos boss que j'ai pas, en plus je peux les tailler. Oh putain, mais ça va tellement vite en vrai parfois. Tu t'en fais peur tout seul. Ok, on est bon. Ah oui, au fait, tiens, attends, je vous tiens, by the way. Ce soir, mes amis, premier stream sur du PVP officiel Small Tribe. Sur Ark, évidemment. Ouh, il y a un Rex Bionic là-bas. On va aller le voir vite fait. On va aller faire un petit coucou. Donc, PVP officiel Small Tribe, ce soir, je sais pas vers quelle heure on va commencer. Peut-être genre vers 19h30, quelque chose comme ça. On terminera vers 2h du mat, enfin je sais pas. On verra. Ce genre de soirée, ça va commencer comme ça et ce soir. Demain, je ne suis pas là en stream. Par contre, il y aura sûrement une vidéo évidemment. Mais je ne suis pas là en stream demain. Et la reprise sera jeudi. Du coup, il y aura des streams ce soir. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard, on est le 17 juillet actuellement. Yes. Ah ben je lâche des dates comme ça, hein, au cas où vous êtes perdu dans le temps. Oh putain, il y avait un truc là. Ce serait pas de la célestiale ça? Viens là mon bébé. Viens te battre. Viens te battre, viens te battre. Viens te battre. Viens te battre. Viens là. Viens te battre. Voilà, célestiale soul, ascendant comparement. Bien mon petit. Oh mais il y a une spirit là-bas. Damn. What the fuck? C'est merveilleux, on va la buter. Putain, j'ai d'autre que ça dessus. Oh, c'est décevant. Allez, va-t-on mourir? On verra. Je dois, je dois, je dois, je dois. Non, mais devoir pas. Sinon, c'est chiant. Si je suis venu là, c'est pour. Hein? Faut que je bouge de ce truc là. Qu'est-ce qu'il y a comme des buffs de merde? Climbing. Gros, fais un effort par contre, viens de poser, viens de faire. Viens de battre! Viens de battre! Putain de merde. Oh, aïe! Oh, die! C'est quoi? Non, mais non, 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 non! Oh, je l'ai eu! J'ai loot. Oh, j'ai loot des trucs! Ah, il m'a défoncé la gueule! Ah, j'ai loot des kibbles! Oh, lourd! La compo! Il est énervé! Aïe 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 aïe. Ok, j'ai eu des trucs, j'ai eu des trucs. J'ai pas eu ce que je voulais. Fuck. Je prends. Regardez, j'ai des kibbles. Putain. J'ai pas eu des trucs en plus. J'ai eu le Celestial Soul, ok, ça c'est bon. Putain, j'ai pas eu d'orbes. Fais chier. C'est les orbes que je veux. Ah, il m'a démonté la gueule par contre. On va lui prendre. T'as pas eu de petite potion? C'est chiant ça. Je vais regarder comment je fais les potions vite fait. Ah ouais, merde. Ouais, c'est chiant, c'est vrai. Ah, c'est très très chiant, c'est vrai. Bon, eh bien écoute, hop, à la tienne, mon salaud. Waouh, comment monter une falaise. Pouf. Tellement rapide. La belle créature, putain, ce combat était. Je suis content de l'avoir niqué, la Spirit Weaver. Y'a pas des trucs par ici? Je suis content de l'avoir niqué, les gars. Ça fait plaisir. Hein. Merde, j'ai passé la zone, je n'ai rien vu. Ça fait plaisir aussi. Ce planning est trop élevé. J'adore cet endroit parce qu'il est plat et en plus il y a souvent des créatures. Des boss et des trucs comme ça. Mais par contre si tu passes trop vite. Oh. Oh my. Mais c'est. C'est un chaos ça. On avait pas une créature qui faisait ce sort? Mais on l'a pas déjà Rex KO? Je me pose la question. Pas sûr en vrai. C'est quelle créature qui faisait ça? Ça là, ce sort là. On a un truc qui le fait. Attendez, je vais aller voir, c'est pas loin. Putain, il y a un Rex KO à côté. Mais c'est à côté de la base en plus. Oh, c'est cool. Ah oui, c'est vraiment. Oh, c'est génial. Bon, par contre, c'est chiant à remonter si jamais on tame. On n'a pas déjà un truc qui fait ce sort. On va checker. Allez. Ah, mais c'est le Rex Spirit. Son petit frère, son cousin, je dirais même. Ok. I got it. Je vais checker vite fait du coup s'il y a un KO pas loin. Comme je disais, bah du coup je parlais de l'orbe KO tout à l'heure. Bah là c'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous faut les gars. Donc on va encore regarder du coup ce qu'il nous faut pour cette petite orbe KO. Alors Demonic Cable. Ah le Celestial Soul par contre ce qui est chiant c'est qu'il va nous... Ah bah comme tout à l'heure quoi. Il faut je suppose Celestial Kibble, il en faut une. Il va falloir du sang. Origine primale. Ah mais tiens primale. Origine je sais pas s'il m'en reste, je crois qu'il m'en reste dans les frigos. Mais du coup, ce qui va manquer, c'est les Celestial Soul.
Il va falloir aller buter du Celestial Dino. Là. Et hop là. J'ai oublié l'origine. On prend 3 au cas où que ça périme. Ça on en a. Hop là. Voilà. Ok, here we go. Et là du coup je suppose qu'il manque évidemment que 2 Celestial Sauro. Du coup ce qu'on va faire, c'est que avant d'aller tenter de tame ce Rex, on va aller casser de la gueule à du Celestial. Petite ellipse du coup mes amis, il va falloir que je les cherche et que je les trouve. Et on se retrouve dès que j'ai ces Celestial, on crafte l'orbe et on va tenter de le tame à la Primal Dort. Allez c'est parti mes amis, petite ellipse et à de suite. Et oh les boys, on arrive à la... Oh putain. Wow. En première personne c'est incroyable, on arrive à la base. J'étais en train de dire... Oh putain. Oh les gars j'ai l'impression d'être sur un... Je sais pas, une espèce de... Ouf. Un véhicule aérien mais de toute qualité supérieure. C'est bon les gars, j'ai buté 2 Celestials. Un Allosaur et un Urgent Terrorist. Et j'ai les Celestial Soul. Putain mais c'est trop bien en première personne aussi. Il disparaît. Wow. Allez on va essayer de viser la base. Wow, boom. Ok on est bon. The tribe killed Kolakans. I'm good. On va aller crafter cette petite KO Orb qu'on a prévu. Hop, tout à l'heure, on en a parlé. Et là, on va aller. Bah du coup tu dis tout à l'heure, mais vous c'était à l'instant, donc bon. Alors, petite Celestial, elle est où? Ah mais j'ai sur moi. 2. Ok, j'arrête s'il n'y a pas d'autre truc. Les potions, je prends, ça sert les potions. Petit truc, le timing. Un petit timing x500, on en a. Ouais, on en a plein. Allez, c'est parti. Hop, on va les craft. Let's go, my friend. Ouh, boum. Oh putain, je suis passé. Quelle précision. I'm so strong, you know. Hop là. C'est tout ce qui manquait, je crois. Ouais, KO Orb. Let's go. Let's go, my friend. Voilà. C'est merveilleux. Elle est bonne. Elle est là. On la prend. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recharger notre arme avec ses 164 Primal Bullets. Et on va charger le cul du Rex comme il se doit. Let's go. Ouais, on va prendre le petit... Oui, on a fait l'épisode avec lui aujourd'hui. On va le garder. En plus, on l'aime beaucoup. Oui. C'est là. Ah, il y a une dodo hiverne. Where is the Rex? On ne vient pas m'emmerder, hein. Ça commence pas. Hein. Ok, easy. Va falloir tirer, je pense, comme un tordu. Ok. Quand elle m'emmerde vraiment cette dodo wyvern. Mais je vais quand même me focus sur l'endormissage du Rex. Il est où? Oh, le tour de magie qu'il nous fait. On le voit mal, on le voit à travers la rivière et tout. Merde. Elle va venir se fight, elle c'est sûr. Hein. Ok. Viens là, sale pute! Elle va vraiment me saouler, je crois. Pas tant que ça. Pas tant que ça, pas tant que ça. Donc lui, il faut pas qu'il me touche, sinon il va me défoncer la gueule. Allez, on charge. Hein. On le charge comme il se doit. Ok. Ah, il veut se tirer. Il est en train de chasser des trucs ou il s'enfuit? Comment ça se passe? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, on le charge comme il se... Et voilà! Une quarantaine de balles pour tomber un KO Rex. Boum! On est bon. On est bon. En vrai, c'est pas très long, donc c'est cool. Level 130 de type femelle. Ok. Il y a de la belle stat. Oh putain, il en avait de la torpeur, le con. Il y avait 5 millions. Ah ouais! Ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Comment on va l'appeler? Comment on va l'appeler? On va l'appeler Facecare. Allez, il le mérite. Putain qu'il est beau le con. C'est une belle bait. C'est une très belle bait. Ah excusez-moi, j'ai... Je perds mon québécois parfois.
Ah ouais, non, c'est chiant par contre. Ah, vous cassez les couilles, 500 polymères. Ah, c'est relou. Allez, tu vas me suivre, on va aller à la base. T'es prêt, mon petit? Tu me suis, hein. On rentre à la maison, je te ramène et on va te faire essayer tes nouveaux habits. Allez, viens. Bon, par contre, il va falloir faire un petit effort sur la montée. Je suis pas sûr que tu y arrives, mais on va tenter, hein. Tu te parles? Oh là là, ça va être un bordel, les gars. Bon, mais du coup, vous, je vous fais une petite pause. Et on se retrouve dès que j'arrive à l'amener à la base, parce que c'est pas le moment le plus intéressant, là. Ça va être du cassage d'arbres et du passage de Rex dans des moments chiants. Regardez-le. Ouh, putain, il commence, ça va être chiant. A de suite. Ok, on arrive à la base, mais c'est le bordel. Il y a une Reaper qui casse les couilles devant. Donc, il va aller nous défendre. Allez. Fais ton travail. Je crois que ça, ils vont pas apprécier beaucoup. Ouh là là. Allez, encore. Je continue. Allez. Allez, mon petit. On voit rien de ce qui se passe, mais il se passe des trucs, je vous le dis direct. Hein. Allez, mon petit. Oh. Peut-être aller chercher un lumineux. Hein. Bon, je vais le laisser s'amuser en attendant. Pour le passage qui était tellement pro. Alors, après la petite... Oh, la petite sèvre. La petite sèvre, on va niquer des mers. Oui, je suis la petite sèvre qui nique des mers. Alors, attendez. On va allumer d'ailleurs la créature. Allez, c'est parti. Je suis la petite sèvre. Il est où mon Rex? Il est où mon Rex? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? T'es qui, toi? Sale sienne. Il est où mon Rex? Eh oh, répondez, il est où mon Rex? Il est là-bas. Détrouvez mon Rex. Ouais, détrouvez mon Rex. Y'a quoi là-dedans? Wouh! That a weapon! That a weapon! Putain, vous imaginez sur un serveur on trouve ça? Je crois que j'ai mis des loots en x30, lol. Allez, reviens, t'es sien là! Mais arrête, t'es un enfant! Allez, reviens! Vas-y, viens! Putain, c'est un enfant lui. Hein. Allez! T'arrêtes, Feska, hein. C'est une 7. Il fallait être bloqué. Je suis la petite sève qui rentre dans la maison. Elle est trop bien cette chef pour se déplacer. Putain, je l'adore beaucoup. Je l'adore beaucoup, cette phrase n'est pas française. Alors. K.O. I got it. Rex, ça doit être celui-là. Démonique Soul. Casse les couilles là, c'est on en est où? Qu'est-ce qui se passe, genre Wow! C'est relou? Non, c'est chiant. C'est chiant, j'ai pas envie de repartir là. Je vais me la give, hein. Tu m'emmerdes. Hein. Non, parce que voilà. Non, merde, hein. J'en avais avant. C'est chiant, hein. C'est de la faute de Nitrado si j'en ai plus. Alors, démonique. Non, parce que voilà. On en a marre, nous. Je vais pas repartir farmer un démonique juste pour ta putain de sous là. Je sais pas où il y en a, j'en ai pas vu aujourd'hui. Voilà, hop là. Je sais pas si ça a marché. Ça a pas marché. Et pourquoi ça marche pas? Il give item. Ah, il manque un 0. Hop là. Et voilà, démonique soul. On fait la selle comme ça devrait se passer normalement. Vous n'avez pas vu ce qui vient de se passer évidemment. Hop, c'est super. Voilà. Yes. Yes, I, je dirais même. Ok, je laisse la petite sèvre à l'intérieur. Elle est trop bien cette petite sèvre. Faut que je m'en serve plus souvent, elle est trop cool. J'aurais voulu le faire, je l'aurais pas fait. Tellement pro, quel saut. Allez. Maintenant, phase 2. Faire glouglouter toutes les potions. Hop. Voilà. Attention, moment cliquage. C'est parti. Putain, il prend de la vie. Bon, j'ai pas de potion, on va faire attention. On va augmenter un peu la vitesse. Sinon c'est chiant. Voilà, un peu les dégâts. Doucement les dégâts. Vraiment pas beaucoup. Juste un petit peu. Tout petit peu. Voilà, on est bon. Ok, il y a pas de potion de vie évidemment, je suppose. On va voir l'écran rouge, c'est super. Allez, c'est parti, à l'attaque. On va tester la créature. Alors, on va faire un petit clic droit sur ce petit Dodicurus qui n'a rien demandé. Ok, ça frappe fort. Le clic gauche. Ok, ça frappe plutôt fort.
Et maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est un petit C sur ces créatures-là. Bonjour à tous. Je suis le démon de la mort. Ah, ça n'augmente pas les dégâts, c'est comme tout à l'heure, 550k. Ah, d'accord. Bon, c'est très joli, hein. La zone que ça fait, c'est très violent. J'adore. Vous imaginez un spirit contre un chaos? On va faire des combats comme ça. Peut-être j'organiserai des combats genre spirit versus chaos et trucs comme ça. Ça pourrait être cool en vrai. Et on verrait qui sont les plus forts à niveau égaux, évidemment. Niveau égal, je sais pas si ça se dit. Allez non, j'en fais des fautes aujourd'hui. Bon, cette attaque est une violence. C'est la même que le spirit, mais trop cool. Trop cool. Il a pas de X du coup. Il a pas de Q, pas de R. Il a que 3 attaques, mais ça fait quand même que c'est une putain de créature. Hein. Avec les stats qu'il a, les dégâts qu'il fait. C'est une belle bête. Ah, faut le reconnaître les gars, c'est une belle bête. Bon, mais mes amis, c'est sur le dos de ce magnifique Rex que l'on va se quitter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis sûr que vous avez adoré le petit moment avec la petite chèvre. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours méga plaisir les boys. Vous êtes méga actifs aussi en commentaire, ça fait chaud au cœur. J'essaie de les lire un maximum. Bon, je vous cache pas que les 520 commentaires de la dernière vidéo, j'ai pas tout lu, mais j'en ai quand même lu, je pense, 300 à peu près. Donc voilà, merci à vous les gars, encore. J'espère que vous serez là ce soir pour le prochain, pour le petit live sur le PVP Small Tribe. Je compte sur vous. Et sinon, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était votre bro, Damon Big. Et on se retrouve dès demain pour une prochaine sur le Rex du Chaos. À demain, et bonne journée à vous.